Oui, vous allez bien. Il n'y a pas de son. Pas ben, si. C'est que tout simplement que je, je suis choqué. Je suis outré. Je suis dans un monde de honte. En tant que collectionneur. Vous comprenez de quoi je parle Parce que je vais parler de ceci. Les amis. Et eh bah ben ouais, la PS5 Pro 30ème anniversaire, enfin le, la collection 30 e anniversaire PS5, plus exactement, puisqu'il y a la PS5 Pro et la PS5 et leurs accessoires. Sauf que, sauf que, bah tout ne s'est pas passé comme prévu. Encore une fois, parce que oui. Oui, les amis, les scalpers ont encore frappé. Bon, après, certes, il y en a vous, certains d'entre vous qui auront réussi à que leur machine. Je l'espère, parce que moi, j'ai voulu prendre la PS5 Slim. J'ai pas réussi à l'avoir. Alors, je sais que Sony a prévu des restocks euh, en magasin au mois d'octobre, le 10, je crois. Je crois que c'était le 10 octobre. J'espère que ça va être le cas. Et que là, ils vont faire quelque chose. Parce que la ps 5 Pro 30e anniversaire était prévue en. Donc on est sur Collector. À 12 300 exemplaires. Et là, il n'y a plus rien. Quelle honte. Quelle honte. Je vais vous expliquer mes propos. Parce que euh, oui. Regardez-moi ça. Ah Les scalpeurs ont encore frappé. Alors, P5 Pro. Alors attendez, hop, que je fasse comme ça. P5 Pro. Édition limitée PSA. 30e anniversaire. 4000 euros. Alors ici, on bat tous les records. 10 000 euros. Achat immédiat à 20 000 euros. Là, 10 000 euros, c'est non cher. Vous pouvez l'acheter en acheter un achat immédiat à 20 000 euros. C'est sur eBay, ça. Mais qui met 20 000 euros pour une console 5 000 euros. 6 000 euros. 4 500 euros. 4 300 euros. 7 050 euros. Les manettes, ça va, c'est pas encore trop décollant. 166 euros. 200 euros, 155 euros, 161 euros, etc. Et quand je pense que normalement, il y a deux jours, il y avait plus que que ça en pc Alors, ce que je voudrais voir, c'est que s'il y a des gens qui achètent, euh, comment on fait pour savoir, vente ici. Voilà. On va regarder ça. On va regarder ça. Euh... Est-ce qu'il y a eu des objets qui se sont vendus? Apparemment, euh... j'en vois pas. On va terminer votre ici. Ah, si! Si, 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 si! regardez là Sony PlayStation 5 Proton Champion, version limitée, 300 exemplaires. vendu le 26 septembre 2024. Il y a des gens qui achètent, fois 3, le prix de la console en édition limitée, mesdames et messieurs. Pareil ici, encore pire, 3500 euros, vendu le 26 septembre, là, 2500 euros, vendu le 26, bon, c'est un truc de balade, 4000 euros, 4700 euros, vendu le 27, regardez, mais qui achète ça, qui achète ça, 5000 euros, vendu le 27 septembre, euh, on va aller sur le bon coin un petit coup. Ah, déjà j'avais. Ah, si, on a là. P5 Sim, 1000 euros. Euh, P5 Pro, 2200 euros. 1200 euros. Bon, sur euh, le bon coin, c'est un peu moins déconnant. Mais quand même. Mais quand même. Qui sont ces gens qui peuvent se permettre d'acheter ces consoles assez là ils font ça et ils donnent raison aux scalpeurs. C'est ça le problème. Ne faites jamais ça, les amis. Ne donnez jamais raison à ces scalpeurs. Alors, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Soit ils fonctionnent par robot, par. Euh... Je ne sais pas. Je sais pas. Parce que moi, j'ai voulu prendre ma paix. que c'est comme je disais. Je n'ai pas eu la possibilité de l'avoir. C'est une honte. Je pense que PlayStation devrait mettre ses prêts limitées à une personne. Mais non, ils l'ont pas fait. Est-ce que tout ça c'est pour l'argent? Parce que là, tout le monde pouvait se l'acheter direct en 15 minutes de temps, dès que les consoles ont été mises en préco. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Quelle honte. Quelle honte. Après, je veux dire, euh... oui, c'est peut-être pas. Je ne sais pas si c'est la faute de PlayStation, mais. Euh faudrait qu'ils renvoient leur façon de mettre le, les consoles limitées en précommande, comme je disais, mettre une par personne. Avec le, Je crois que la, la, la connexion PSN elle était prévue, mais euh, je ne sais pas comment les scalpers ils font. Mais euh, voilà, une connexion PSN par foyer et vous avez votre console. Là, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Franchement, je suis déçu. Moi qui voulais avoir mon édition euh, collector, et eh ben. Euh, je n'aurais pas. J'aurais plus qu'à regarder. Voilà, j'aurais plus qu'à regarder de, de, de devant les yeux et puis euh, même pas la toucher à rien. Franchement, pour les gens qui ont des revenus modestes, c'est pareil. Là, ils avaient la possibilité de se l'acheter à bah, petit prix, entre guillemets bien entendu. Mais euh, malgré que la PS5 était à 550 euros, donc il y a le prix de base de la PS5 standard, et eh ben ils peuvent même pas. Et dire qu'il y a des abrutis qui se permettent d'acheter des consoles à 10 000 euros sur eBay. c'est que vous donnez raison à ce scalper. Ne faites jamais ça, les amis. Achetez jamais à ces gens-là. Vous leur donnez raison. Oui, je suis en colère. Oui, je suis furieux. Parce que je n'ai pas eu ma console. Alors j'espère que oui. On aura des restants comme magasin mais ça, c'est pas encore gagné ou alors comme je dis, il faut que Sony mette en place précommande une seule précommande par foyer il n'y a que cette solution là qui pourrait éviter ces problèmes de scalper avec connexion PSN etc Franchement là euh, c'est une honte. Mais c'est le c'est une honte. Vendre des machines à des pauvres gens qui veulent avoir des au collecteur à 10 000 euros. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Voilà, ça, ça, ça c'est mot de la fin que euh, je vais vous laisser. Oui, c'était une petite vidéo coup de gueule. C'est rare que j'en fais. Même pas du tout. Mais là, j'étais obligé. Là, j'étais obligé d'en faire parce que je pensais même pas que la vidéo elle, allait faire 10 minutes. Vous voyez Je pense qu'elle aurait fait 4-5 minutes. Mais là, elle a fait 10 minutes. Pour vous dire mon mécontentement. Face à ceci. Face à ça. Sa... À ces. Euh... À ces quatre peurs. Scalpeurs, voilà. Ces scalpeurs de misère. J'espère qu'ils vont les garder sous le bras. J'espère que ça se vendra pas bon, apparemment ça se vend. Mais j'espère que dans le temps, ça ne durera pas. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et euh, n'hésitez pas, euh, moi, je ne vais pas dire de vous abonner, etc. Parce que là, c'est un coup de gueule personnel. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Portez-vous bien malgré tout. Et... Euh... Tant que moi, bah on se retrouve lundi. Pour les prochaines news, j'y vais. Ciao.